17 juin 2024, Bokamati Liboka Kolanda Biso partout à travers le monde, Batata Bamama Bilenge Bandeko Mbote, Pe Bo Landi, Imalamu, Bozali, Bipa Union Sona, Mokile Mobimba, Bakongo Mani, na Kinshasa, Naba Intérieur, Yamboka Nabiso, Tope Libanda Mboka Mbote, Nabino Obanso, après investiture Naye, gouvernement soumis noir, Akoti Bongo na Mosala, na programme Moko très ambitieux, Yamonen. Penza na budget na ye ya makasi koleka programme ezali spécialement étalé na 6 engagements ya tata mokambi ya ekolo lelo spécialement to okene nango na maluba penza eza simple lokola bomesano wana pona Congo pona kotalisa impact ya programme wana na bomo ya bayi Congo mani to kozongela actualité politique ezalaki bongo semaine oyitiko Sila, toebi ke tata mokambi ekolo, aebi bongo kokotisa directeur de cabinet ya Sika, wapi bisika bazali ko organiser kuna cabinet ya tata mokambi ekolo, ba ministre pe bakoti bongo na mosala kasi na mayo etali yango kuna na ngambo ya IDPS parti au pouvoir, Augustin Kabuya wazali CG asengi bongo na ba ministre topa pekisi bango, bae ba konforme ba cabinet na bango avant kozwa ba recommandation o eko uta bongo na parti surtout na o etali ba profil o ezali approprié na bato bako accompagné bango lolenge longo bani lobi moleki likita monene ezalaki kuna na parti présidentiel pendant ko sala bongo ko eba nani penza ko accompagné likita ko accompagné ba ministre ya gouvernement soumis noa autre chose likambo etali mon solo tope salaire be moliment ya ba député e yebani solo na miso ya bato Vital Kamerhe président président et assemblée nationale à Talisi Yango que ba député Nabiso bazwaka bongo 14 milliards donc na mokolo ya lelo bazozwa 14 millions de francs congolais ou ezali équivalent ya 5300 dollars américains pour na mosala nyonso bazali ko sala donc o etali et monument na bango o etali ba avantage na bango pe bongo na bongo nyonso ezali bongo 5000 dollars pas plus information o ndeko Martin Fayulu a contredire koloba kezali bongo te asengi enquête et salema ensemble national toujours ba autorisé ouverture et instruction judiciaire contre ancien ministre ya finance ndeko Nicolas Kazadi Batalisi bongo que bakoki kolandela ye na justice na likambo etali forage pe ba lampadeur ndenge et l'Obama qui na opinion population zaki na posa mon na clair donc bakolandela ye pe tokoyeba nini ekosalema kuna na ngambo ya justice ministre ya justice na ngambo na ye Ndeko Constant Mutamba a instruire bongo procureur général près la cour de cassation a engagé ba poursuite contre ba union so bazali ko sala apologie ya homosexualité na République démocratique du Congo. Que dit la loi par rapport à ces pratiques? Nous allons essayer d'en parler na bande ko bazana biso sur ces plateaux to zonga nango na mosindo mais faut rappeler aussi ce que na ville province à Kinshasa ndeko ngobi la a ebaki bongo ko tika Ronaye pona mwana mboka Daniel Bumba oya koti na mosala et tango koti na mosala li tomba na ya liboso tope decision na ya liboso apekisi bongo ba dédicace tope mabanga ndenge to benga ngo na Kinshasa sauf soki a autorisé préalablement donc mabanga nyonso na musique na TV te bongo na bongo apekisi yango est une bonne décision en tout cas longo ni ape mosala malamu na baye basali kokota mosala tozali komona solo ke ba institution nyonso ezali ko se mettre en place pour que mosala ya solo et banda 92 milliards
n'est-ce pas, ça 5 ans, 18 milliards chaque année. Nous en parlons au cours de cette émission, là-bas, scientifique, Bazanabiso, sur ces plateaux, spécialement, Tozali Bongo, na Mwamboka, professeur en Kama Tungi, la faculté, il y a économie, Kuna na Eniki, na Zali Moko, Bayazala Karar, na télévision, en tout cas, les lois, ça y sonneur, Ayak Toso, la Maïmata, budget, parce que Banamboka, belé, Bazon Dimate, Balobi, Eza, Kaka, lecture, il y a pas, mais il y a ma commis, il y a pas, mais il y a chapelet de bonnes intentions. Est-ce vrai ou faux, mon amboka, monsieur le professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci pour l'honneur. Mm-hmm. Ouais. Toyambi et Panabiso, na koko tapenza na kati ya si j'étais na ba mon simple, hein, toyambi ke yo zali, mon chose à côté de sanitaire à l'écolo. Est-ce que est-ce possible d'automobiliser budget au Bapé-Sibiso? 18 milliards, nandenge niko salema et répercussions ni kozana na vie ya bana mboka. Ce qu'il faut que tu appelles na mozindo te lecture na yope sur mobimba ya programme ya gouvernement et sali boni boni. Bon, merci maman Naomi pour la motuna. Je crois que l'oka yambo na koloba était programme ya gouvernement ezalaki surprise moko malam. Comme on a été na ba sujet belé ou ezako intéressé par Congolais, sali effort, proposer réponse. Tout le monde était bango sali exercice où on a chiffré en gros 92 et quelques milliards, équivalent à 92 et quelques milliards de dollars. Donc, Nazal Okula Bato, il nous a observé. On a participé à un exercice où on a été, mais on a été présenté budget dans Bango. C'est que, et le copé a positif et a dit que ça n'est pas tour, il y a une situation où nous sommes considérés le rôle urgent, crucial. Dans mon rubrique, nous sommes qui reprise. Le rôle là-bas, nous avons un peu comme tout la question, on a un peu comme tout le monde. Est-ce que la cause la peine la marque il y a qu'on mobiliser moi, inquiétude de la cause la wana. Mais ce n'est pas. Pour la Colombie, c'était non, c'est irréaliste, non. C'est un budget réaliste, chiffré, ça a raisonné. Mais si vous avez dit que ça, est-ce que ma coquille, et puis ça m'a dit que je n'ai pas été mobilisé en 5 années, ce qui nous amène à peu près autour de 17-18 milliards l'an, ils ont quitté. On a déjà connu des problèmes comme ça, hein, tu as un budget, mais tu as quitté. Parce que moyen de mobilisation, tout ça, en gros, ils ont rationalisé. Hein, monsieur, c'est ça pour fonctionner, monsieur, c'est fonctionner, moi, la montée. Effort et la modernisation, ils ont très important. Parce que mon budget, il faut qu'atteindre parfois, moto Azali, contribuable, nous sommes Azali, mais il faut qu'atteindre, il faut que l'administration se développer, se déployer. Et puis, il y a beaucoup de problèmes de corruption encore. Objectif, on a tout maîtrisé en open data. Donc, on reste prudent, on est content, hein, je dirais satisfait. Il y a exercice par Sali, ils ont très 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 bien mené. Et puis on voit que Sali est fort, était domaine aussi, ça a vraiment pris en compte, hein, formation, santé, sécurité, gouvernance, emploi. C'est ça qui est vraiment bien cerné. Mais inquiétude des alliés, est-ce que moyen et PSAM pour la mobilisation, il y a un au quota là au cours des 5 prochaines Mais est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Dans le programme, il y a mon néné boyo, maman Toluka Memelibiso. Bon, je crois oui, parce que, madame, il y a l'expression et la volonté, mon corps politique, il y a pour ça là, quelque chose. Et puis, pour un domaine où il y a ce qui est salami bien, et qu'on permette, et puis surtout que ne moi moussika. Hein, je donne un exemple, pendant le programme, il y a route. Tout ça, on a 3 000 km de route asphaltée. Dans le réseau, ils allaient presque 152, 153 000 km. Ils sont vraiment insignifiants. Ils ont retard à Makassi. Ils ont une perception même un peu sonne au niveau africain. Parce que tout ça, pour les boulots, ils sont en Molili, dans la carte d'Afrique. Mais ce qui est un sali effort, on a une amélioration à Makassi. Côté à l'infrastructure, et puis l'infrastructure, ils en avaient fait mon sous-sous sur l'économie. Et puis, au moins, l'infrastructure, et qu'il y a stimuler l'activité économique, moi, ma casse.
hein, et misou c'est déjà que ça ma soko suis par exemple corridor et zana colo côté ado il y a na province bon Kalabayo ben oriental mais la casse là dans la carte il y a Haute-Ouélé une partie na Basse-Ouélé hein corridor moko ba ko sala wana banque mondiale a pesa ki pe moi misolo ma partenaire misou pe ba baza ko intervenir et ça déjà lancé appel d'offres il y a bateau ba ko travailler et ça déjà lancé ça donne une indication il y a volonté vraiment à couper sa économie congolaise moi énergie moussous jusque là tout ça qu'on a pas volonté donc il y a des bonnes intentions mais au moins il y a un effort de rationalisation parce que bonnes intentions ça bonnes intentions t'es là t'es pas tout balbutie que bon tu as un 45 aéroports non on n'a pas dit des choses de ce genre là on a annoncé des choses aux alliés et ça urgente il faut tout ça là en gros tout qu'on reporter en les sous-souter. Donc moi personnellement inquiétude dans les alliés mingi les colos il y a pas moyen il y a qu'on rationaliser mobilisation et recette ma partenaire Bazali au bazar disposé à quoi accompagner Bissot en principe je crois que va changer dans le plan la bangote tout ça comme on appelle que le gouvernement a ciblé les bonnes questions parce que si on cible les bonnes questions bah tout bazon mon ayo bazan a pango peut disposer à quoi accompagner c'est pas le gouvernement qui va faire seul partenariat ils ont à la fois avec des privés à la fois avec des nationaux à la fois avec des étrangers ainsi de suite. Mais il faut que l'intention soit raisonnable, rationnelle, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le cas. Pour Nangaï personnellement, le gouvernement a plus un grand souci, il y a des gens qui mobilisés. Et puis ceux qui ont mobilisé, ils sont à la tête, n'est-ce pas? Et puis, les ressources sont à la tête. Si c'est le cas, on va tous constater quand même qu'il y a une amélioration. Betty, il serait à mon solo. Moi, Mingi, alors que Toza Mboka et Tonzi en Kinta, est-ce que Koza Nabiso, qu'on mobilisait 18 milliards, Koza est difficile? Non, Koza est difficile, maman, parce que Mingi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a riche potentiellement, tout ça. La richesse potentielle n'existe pas. La richesse, c'est celle qui a été créée, n'est-ce pas, et qui peut participer à l'effort des populations quand ils veulent acheter, échanger. Protéger leur épargne, etc., et investir. N'est-ce pas? Oui, nous sommes toujours là, ils ont aussi une étude, il faut que Mota n'avait pas un géologue, et ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas au moins de la richesse, parce que vu que le marché, la ressource, on est à fluctuant, que nous avons tantôt émati, tantôt quitté, ce qui lobby demande dans nos alités, on n'a pas besoin de continuer à raisonner. Ce qui lobby est important, c'est à couvrir les alités sous terre, à table, on a un bébé, les alités qui t'a malongaté. Donc, je ne m'appuie pas tellement là-dessus. Je m'appuie davantage sur ce qui est concret pour permettre aux Congolais et aux Congolaises de se retrouver. N'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup, Mme Bokatrozongelayo. Sur question, il y a emploi. Tout ça, c'est focus Koukelemina, Azali Bongo, politologue de formation et acteur politique. Yambo Kanabiso, Mme Boka, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Naomi. Moi, ceux qui sont en train de nous suivre à la télé comme dans les réseaux sociaux, même l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge, j'ai dit coucou à eux. Merci beaucoup. Kotaka na likambo tali programme ya gouvernement soumis non ONG mama ki penza makasi majoritairement na ba député lecture nayo ezalini est-ce un programme irréaliste? Trop beau pour être vrai, topé Eza, programme Monko et Koki, Pona, au Itali, auteur, il y a bah, défi en Boka Congo. Merci beaucoup, madame, pour aborder la question en moi avec beaucoup plus de rationalité, parce que je ne fais pas une question des émotions. J'aimerais bien être beaucoup plus scientifique. Parce que, question, il y a programme, il y a gouvernance. Il faudrait d'abord, parce que j'aimerais qu'avant d'atteindre Pena, pour ça, il y répondre. Programme et gouvernement dans une démocratie, qu'est-ce que cela a comme importance d'abord pour nanini bapesara programme wana. Il faut que un quand le premier ministre arrive devant les représentants na katia hémicycle avec un programme, ils allient exercice et à redevabilité. Pourquoi? Parce que pour comprendre que les chefs de l'État
au hasard président en exercice, à un moment donné de sa vie politique, à Kedaki campagne. On a recouté un souverain, ou babengi souverain primaire, donc le peuple. A Ebisaki Bango, Makambo Oyoye, Alingi Asala, Suki Bango Bapesiye, Bokonzi. Alors, Bango pe souverain, ba Ebisaki pe Mokonzi, Makambo Oyo Bango Balingi, Asali la Bango, Tangu Bango Bapesaye Bokonzi. De ce fait, il y a un contrat qui s'engage, on appelle ça un contrat social. Basali contrat, na o mokonzi alobi ya osala, na o peuple pe asengi asala. Bayokani bon ça va to pe si yo bokonzi 5 ans, tala biloko oyo ko sali la biso. Ye moto wana babengi président de la République comme un individu, comme une institution akei. Akei a prêté serment au même moment na tango élection ezali na bayimboka o babengi ba représentant du peuple, ils sont 500 na kanabiso. Bazan la légitimité nationale, l'Assemblée nationale telle que tu vois, Bazalaï qui incarne légitimité, il y a circoncision ou il y a chef de l'État. Chef de l'État, circoncision, c'est-à-dire toute la nation. Assemblée nationale, dans l'ensemble, bah, député nous sur 500, bango pe circoncision, bango, c'est-à-dire territoire national. Donc, bah, représentant, on a, bango pe tant on va gagner une campagne. Bah, monsieur, vous avez une campagne pour le président, on a. Aïpsa qui bango makambo ba lobe la peuple. Peuple pe aïpsa qui ba représentant na makambo oyo, bango bazali nango posa, bazali la bango. Exercice wana ya redevabilité, et indique ete, tango ba yokani na ba député, ba sali contrat social entre les représentants et le président de la République. Il y a un contrat qui s'engage. Alors, si ko tango ba ko élire ba député, ba kei na assemblée nationale, ba élire président, a kei na institution na ye, rendez-vous ezali moko. Il faut programme wana e ya liboso ya ba représentant. Pourquoi? Parce que débat il faut ezala. C'est ce que moi je regrette. Ah, mais il y avait débat? Il n'y avait pas un débat. Ça, c'est un semblant d'un débat. On a je me souviens que ton logo n'a parlé, c'était minuit. Comment plus de d'abord, deux, une ou deux heures d'abord, de manifester au gouvernement. D'abord, écoutez, ma si ce n'était pas un débat, il serait écoutez, madame, ce qui au tali volume, il y a programme, il y a gouvernement. Soyons sérieux, soyons scientifiques. Total à la rationalité. Volume, il y a travail, il y a. Il y a député. Il y a 48 heures. Pour que bah accéder na connaissance wana. Est-ce que madame rationnellement tu es sûr que avec 48 heures quelqu'un peut émettre son intelligence, pénétrer un tel document, avoir réellement les données nécessaires pour faire face à un débat? Tu es sûr? Moi j'ai dit non parce que ngamo onaza mukonzi akotanga ma buku. Oyo wana ce qui peut passer 48 heures na okokate et ce qui na lobi na okokate bato kutu batanga rare ba on sort na bango ezani. Donc ça c'est déjà mal fait. On ne devait pas accorder 48 heures à un député pour na akota na connaissance il y a beaucoup ya monene ya ndenge wana. Et puis en plus les députés ne sont pas des experts na ba domaine nyonso ya vie. Oyo ezo engagé gouvernement. Parce que dans le programme de gouvernement, il y a des répartitions sectorielles. Il y a bah chaque ministère. Qu'est-ce qu'un député fait? Ce qui a eu document à Bongo, il n'a pas la latitude, un vrai député ne peut pas se mettre et faire la lecture d'un roman. Non. Il doit avoir un cabinet, un bureau, il doit avoir des conseillers, des experts avec qui il doit travailler pour ne pas pénétrer, qu'est-ce qu'il faut amener dans l'hémicycle pour les débats? Parce que dans le poto balobaka, des chocs des idées jaillissent la lumière. Débat wana, motif nango ezalarate kobomamboka, toko retenir gouvernement, toko rejeter gouvernement. Débat wana, tina nango ezalarake, au finish, que vous puissiez retenir ce qui est réalisable. Pas de fantaisie, pas de mascarade. Bon, ça, le débat, moko oyo ko pesa bino nzela. Il y a malamu, il y a mobumitano wana bomicheli nzela.
pour n'aboko qui sa politique publique. Vous êtes en train de réfléchir pour 5 ans. Et pour réfléchir pour 5 ans, on vous donne 48 heures. Déjà sur ce plan-là, il y a des couacs. C'est pas bien, on ne le fait pas comme ça. Mais il faut signaler que Toubando qui m'a si tango. Mais c'est ce que j'ai dit. Pour des choses inutiles, on donne le temps à ça. Mais pour des choses très utiles, on n'accorde pas le temps. C'est ça, on a passé beaucoup de temps pour rien. Mais voilà les moments cruciaux. Il y a un instrument de gouvernance il y a 5 ans. On n'a pas donné le temps. Et nous allons payer cash sur ça. Ça va nous rattraper. Parce que, au fait, le programme est gouvernant. Ils ont boussole. Boussole, mobimeza kola kisa. Même la papaya. Bako mona, et kola kisa ete. Mboka oyo. Makambo oyo. Et sengeli na mboka oyo. Yango oyo. Programme de gouvernance. Et zola kisa. C'est-à-dire. Yango de mouti kola kisa. Quelles sont les dirigeances dans ces pays? Quelles sont les priorités? Quelles sont les nécessités? Quels sont les accessoires? Nakati a présentation à gouvernement au commun et kula kisa tableau bongo et les gens vont comprendre déjà que tala mboka oyo priorité na bango yango yo urgence na bango yango yo nécessité ainsi de suite. Deux, trois programme ya gouvernement ezali instrument ya contrôle, c'est-à-dire pendant 5 ans l'exécutif va exercer. Mais les parlementaires, et ils ont l'obligation constitutionnelle de contrôler l'exécutif. Et bah, contrôler bango à partir il y a instrument nini. C'est à partir il y a programme oyo wana bako retenir. Ils vont faire comment les députés pour contrôler le gouvernement? Ils vont à chaque fois revenir sur ces documents. Qu'est-ce que vous aviez prévu et qu'est-ce que nous avions donné comme moyen? Vous aviez demandé combien de temps et voilà. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Viens nous répondre. Parce que tout a été prévu dans le programme. Quand on verra que le programme n'est pas respecté, c'est alors qu'on va appeler un ministre pour venir répondre. Donc, on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Donc, c'est un instrument que le député doit maîtriser. Et l'exécutif doit maîtriser. Et ça doit être discuté, une convenance nationale pour la gouvernance des 5 ans. Donc, ce n'est pas un instrument anodin, ce n'est pas un moment anodin qu'on doit passer, faire vite et allez-y, on avance. Non. Parce que dans d'autres cieux, quand ce n'est pas bien dit, ce n'est pas bien fignolé, on fait tomber le gouvernement. On n'investit pas. C'est suite à quoi? Ce n'est pas suite à mauvaise foi. C'est suite à un débat qui donne de l'éclairage que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont présenté n'est pas réalisable. Et ça, c'est l'avantage, non pas de ceux qui font tomber les gouvernements, ni au désavantage de ceux qui ont amené, mais c'est plutôt à l'avantage de la nation, parce que ce qu'ils ont proposé ne tient pas debout. Ça va nous faire reculer. Comment ça? Mais quand le programme n'est pas un programme acceptable, mais il faut rejeter ça. Et ce n'est pas la mauvaise foi, ce n'est pas la méchanceté. Il n'y a qu'un programme, il y a un gouvernement soumis. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer. Il y a ma bé au moni, il y a un cadre, il y a une situation. Par exemple, un budget doit être quantitativement exprimé. Ça doit être aussi qualitativement exprimé. Tokende, dans le domaine, il y a chiffres. Parce que là, les chiffres cachent la vérité. Parce que Naoki professeur Aouch Koloba, que le programme de gouvernement, c'est une expression de la volonté politique. Mais regardez maintenant en termes de chiffres, vous allez comprendre la vérité de cette expression totale s'il y a une volonté d'amener le pays de l'avant. On vous dit qu'il y a 92 milliards répartis en 5 ans en termes de 18 milliards l'an. Bon côté, hein? Oui. Moi, je me pose la question. Où est l'expression de la volonté de ces gouvernements de nous amener dans une croissance? Parce que si, dans leur expression de leur volonté, bah démontrer biso que chaque année, ils vont mobiliser 18 milliards. Et que chaque année, nous allons dépenser 18 milliards. Mais pendant 5 ans, nous serons statiques. Nous n'allons pas bouger. Il n'y aura pas de croissance. Parce que c'est chaque année, il y a 18 milliards, vous dépensez 18 milliards, et l'année prochaine, 18 milliards. Il n'y a aucune indication de la croissance dans ces programmes, dans ces budgets. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Félix Tshisekedi, parce que je ne vais pas aller, je vais aller loin, parce que je pouvais me permettre d'aller loin pour vous faire voir comment est-ce qu'on présente un budget chiffré.
Félix entre au pouvoir. Il a trouvé un budget de 5 milliards. Quand ils étaient avec FCC, ils ont dit non, 5 milliards, c'est pratiquement inacceptable. Nous devons aller à 7 milliards. 2019, 2020, 7 milliards. À 2020, 2021, ils ont quitté de 7 milliards à 10 milliards. Et de 2021 à 2022, ils sont allés à 12 milliards. Et de 2022 à 2023, ils sont allés à 16 milliards. Tu vois l'expression d'une volonté de gouvernance du progrès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une recette d'un budget statique. Pendant que, pendant les 5 ans, vous devez vous mettre dans vos têtes que pour faire accroître l'économie, il faut engager des réformes sur tous les plans. Et le professeur a parlé ici de ce que l'on appelle la rationalisation des recettes. Mais il faut des réformes parce que nous ne récoltons que ce que les minéraux nous ramènent comme dividendes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans des projets et des programmes de réformes dans ces secteurs-là pour que les soucis, l'inquiétude que présentent les professeurs ici, de craindre que, est-ce qu'avons-nous la possibilité d'arriver à 18 milliards? Oui, on a la possibilité, tout simplement, si on engageait des réformes. Et ces réformes-là, si on les engageait, d'abord, vous savez que la première des choses, nous sommes dans une phase où les minéraux actuellement est exploité à grande échelle. On n'a jamais connu une période au Congo où on a pompé les minéraux tels qu'on les pompe aujourd'hui en termes de tonnage. De deux, il y a un élément de plus. Les prix de vente sur les marchés, c'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui uniquement que vous trouvez le minéraux être vendu à un taux très élevé. C'est-à-dire qu'il y a de l'embellie au niveau de la vente. Donc, c'est-à-dire que des indicateurs donnent déjà une information qu'il y a une possibilité de faire accroître les recettes de la République parce que nous sommes dans un secteur qui nous ramène le budget de l'État. Mais comment vous, sachant que tous ces éléments déjà sont réunis, mais vous ne manifestez aucune volonté dans l'expression du chiffre pour dire que de 2024 à 2025, si on a 18 milliards, mais au moins de 2025 à 2026, nous ne resterons pas là. Nous devons accroître notre budget, quitter de 18 milliards pour par exemple 20 milliards, ainsi de suite. Ah, mais oui, les prévisions sont chiffrées. Et les prévisions sont exprimées en fonction de l'expression, de l'engagement qu'on a. Mais pourquoi maintenant on a omis cette expression de prévision à hausse? Très bien. Parce que les indicateurs sont là. Ici, ils ont manifesté une expression des indications stagnantes. C'est-à-dire que pour eux, chaque année, 18 milliards, 18 milliards, 18 milliards. Non, ça c'est quelle expression? Merci. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision du progrès, ils n'ont aucune vision d'excellence, ils n'ont aucune vision de l'élévation en termes chiffrés de la République. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis décédé. Parce que les gens croient que nous qui critiquons, nous ne sommes pas patriotes. Ça c'est faux et archi faux. Être patriote ne signifie pas être fanatique d'un régime. Être patriote, c'est être intelligent et réfléchir pour les comptes de la République. Tout simplement. Je vous reviens. Dès que professeur Kama, ils ont tout le monde, ils ont tout le monde en opinion. Puisque pour la Congo, c'est vraiment pour la couche de sa population, surtout pour la bande de tout le monde. Que Natango, il y a Joseph Kabila, Natango Matata Ponyo, Natango, il y a régime passé, tout ça qui n'a budget qui est décalobi 5 milliards, qui ne représentait pas grand chose, mais quand même, vie à population, et ça qui m'a là mon pensa, pensate, mais quand même, Babdo Ramiki Miki, d'Akisa Bapri n'a marché, mais comme ça, c'est quand même acceptable. Nengini ni les lots, tout Mata, 10 milliards, 7 milliards, 12 milliards, le lobe a ébissé 18 milliards, mais situation et la population, ils ont changé. Rapport, on est les alliés, entre budget et Mboko, les alliés Komata, qui était Mboko, les alliés Komata, n'a vécu quotidien et la population. Merci, Mignon Naomi. La première chose, c'est que l'État a zali, Katina Batou,
Autobenga agent économique, Azali, beaucoup agent économique. Azali très important, bien sûr, mais il était des Azali na Mukumba, Yakoupe, ça a quitté la santé na vous complète. N'est-ce pas? Ce qui m'a quand même autant pour la malade, pour tout le monde, c'est que privé, toute initiative privée, qu'on soit peut-être en pleurs que les Qatar à l'État. Il y a un découpé, ça a besoin un peu plus de bonne santé économique. La raison que la moutoune, là, maintenant, il n'a pas ça, moi, un sisme qui est dans le Ndeko Alobi, c'est important. Au moins, à Tchèpe, dans mon sapiné, c'est quand même au Yotomoni, c'est un peu problématique parce que débat, c'est peut-être un dingue tout le monde qui a ça qui donne 2 milliards, si le détail est suffisant. N'est-ce pas? Parce que, bon, Bissomoro est réparti, tu as 92 milliards sur 50, on a imaginé que, bon, ça fait une répartition de plus ou moins 18. Mais tu as très important, Bangomoko, Bapessa Bisso, un peu plus de détails, comment les choses vont s'opérationnaliser. Première année, parce que le Bissomoro est en première année, on est en deuxième année, le Bissomoro est en deuxième année, en troisième année, on est en Sili déjà, etc. Donc, ce qui est ok dans le détail, peut-être que mon salaire va continuer. Donc, dans le détail, tout le monde a, secteur par secteur, comment les ressources vont être ventilées, qu'on va décliner. Et surtout, on a insisté, Mingi, pour tout le monde. Je peux citer l'exemple, même il y a le régime précédent. Mais tout le monde a une mauvaise habitude de tout le monde depuis le régime précédent. N'est-ce pas? Il y a corruption, il y a détournement aux ressources publiques, etc. Et ça, qui Mingi peut être le cas. Il faut aussi savoir, il faut pas dire que il y a 10 ans, toute la population est allée loter. Nous avons le même montant, tous les pays, 90 milliards, 18 milliards et tout ça. Ce qu'on ramène dans la population est allée, comment les avez payés, monsieur Lomingi Benate. N'est-ce pas? Ce n'est pas encore les ressources suffisantes. Ils ont progressé, mais ils ont coquaté par rapport à leurs besoins en Bissau en tant que pays en développement. Et enfin, nous constatons une chose, c'est que bon, on a des intentions là-bas, n'est-ce pas? Mais quand nous allons dans la loi de reddition des comptes, tout à la détail, est-ce que Mobilisa qui vraiment monté? On a très souvent toujours coûté à monter très en deçà. Il y a quelques temps, je crois, l'année passée, on a même été obligé à imaginer la situation, la loi de rectification et le budget, n'est-ce pas? Parce qu'on avait annoncé 16 milliards et puis finalement, mobilisation est même mis en été. Les années Matata sont des années intéressantes parce que sous les années Matata, on a connu un super cycle. Il y a dans l'industrie minière, c'est-à-dire que prix est très intéressant et puis demande est très intéressante. Et ça qui était ressources, il y a minier, et ça qui est au-delà, il y a prévision là-bas. Okay. Et quand vous avez des super profits comme ça, normalement, l'État, ça a un mécanisme qui permet qu'il y ait un super profit, on a IEP. À récolter un peu plus de ressources dans le mécanisme qu'on a. Mais comme mon ami a dit, il a raison, et ça, la situation, beaucoup qu'on prévoit à l'avance, c'était les lots, les minéraux, c'était comme un mingi en grande quantité, nous n'avons jamais atteint de tels seuils avant. La plupart des entreprises, tout type en ensemble, on est au-delà de millions de tonnes, etc. Tout ça, peut avoir pris mon coup, c'est très intéressant. Mais ça montre quoi? Ça montre que comme les alliés régis par des accords ou des conventions qui ont été signés déjà autrefois, on ne peut pas les modifier. Ce qui te prévoyait qu'il n'y a qu'à y avoir convention, on a la situation, comment on gère la situation, la super cycle, et qu'on profite de ça. Parce que vous ne pouvez pas modifier ça en cours de route. Vous pouvez faire des avenants. Beaucoup ça, ça n'était pas un jour. Beaucoup pour améliorer, beaucoup pour réinterpréter, et là, au moins, ils ont acquis clarté, mais beaucoup pour remettre la convention Mobimba en cause. Et ça m'a raté. Hein, les agents économiques sont des gens très frileux, n'est-ce pas? Ce qui peut être comme une réputation, un pays où ils ont tout le temps qu'on tourne ça comme un investisseur, qu'on zonga sima, ainsi de suite, et qu'on peut avoir une réputation à ma bien collègue. Hein, nous devons essayer de rattraper convergence au bisou mot de Mikotsaki, et ITIE, qu'on va être au Congo, ce qu'on s'allie accord, qu'on soit public, qu'on soit transparent, qu'on soit ainsi de suite. Et il faut savoir que la situation en est vraiment la situation au Bissau en tant qu'économie nationale, tout qu'on maîtrisait parce que ça se fait au niveau international. Donc, ça est très dépendant de la conjoncture. Pour le moment, ça va, n'est-ce pas?
Et il faut souhaiter que Yango ait se prolongé pour permettre au gouvernement soumis, effectivement, Maïnio se va promettre Bissot. Et ça, à un moment-là. Mais tout le baquet, à part Baminere, tout ça, c'est aussi car aux embongotés. Tout ça, en gros, pendant l'industrie, industrie, par exemple, les alliés 1%. Okay. L'industrie manufacturière, là, presque. Tout le monde connaît ses alliés, Abissal et l'Union, ses alliés, même Bilaman Abissot, tout vient d'ailleurs. Donc, tout ça, pendant l'industrie, moko dynamique. Aujourd'hui, à l'agriculture, on a mis 100 millions et quelques, même plus, n'est-ce pas? Ils ont quand même collé sa vie sur mon côté. Hein? Avec le changement climatique, ils ont frappé mon Kimumba, comme nous sommes en Tanzanie, nous sommes en Zambie, en Afrique du Sud et consorts. Tous en un autosuffisant maintenant dans le secteur orienté. Voilà des secteurs où il faut faire des efforts, n'est-ce pas? Donc, bisous de Nato, c'est pour la mine, c'est aussi par détail. Parce que pour le moment, moi j'insiste là-dessus, nous n'avons pas les détails. Vraiment, dans ce budget, on voit des intentions sur les 6 axes et tout ça. Hein, on nous parle, on nous promet. Et je suis d'accord avec lui aussi que le débat n'a pas été vraiment d'une très grande qualité. Parce que au Moni, gouvernement, on les a issus à majorité. Majorité, on les a dit très grande. C'est une très grande majorité. 400 et quelques. Dans des conditions comme ça, ils ont presque pas condition. Ils ont mortifié là qu'au bon après c'est démocratie parce que et ça gouvernement là-bas donc débat il n'y a presque pas mais après 11 heures de plénière oui mais bon on a habillé un peu les choses c'est normal c'est le jeu un arbitre que ça m'a fait parce que n'importe qui a une situation là hein ils ont dit avantage là des avantages à démocratie démocratie ceux qui pour gagner peut mingi collega discussion là sous possibilité couffi n'amour parce que Monterope, ça y est, son de cochon sur Azal, sur le bazar, 27 opposants. Et puis, il y a un canaraté, on peut bazar, bazar n'a pas mouru à Malongaté. Donc, même eux, s'ils étaient là, ils n'avaient pas beaucoup nous aider. Peut-être la patriote, peut-être Banambo, Karoyo, Bazali, expression un peu silencieuse. Ou tout à l'heure, on a la société civile. Il y a un monde qui est peut-être un peu plus important, parce que bazar, on s'exprimait d'une manière un peu plus choisie, bah, ça n'a pas point précis, bah, ce sont les langues. Talanda qui ça, par exemple, les lois, ceux qui kimia, ils ont été. Mais programme, on est pour ça la matin. Parce que programme, on est pour ça la matin. Il faut retour à l'ordre républicain sur tout l'ensemble du territoire national, de récupérer un bon camion bimba, et puis tranquillité, il y a des citoyens à garantir pour monter, à courage, à ça un franc, à investir. Attends la campagne agricole, qui nous coupe ça, va vivre ça, si ça boit, il y a un centre de consommation. Tout ça, il y a aussi des conditions, il y a tout ça, besoin que mon gouvernement a ça là, rapidement, n'est-ce pas, dans le domaine de tout le monde. Non, il y a un changement. La police, mieux formée, mieux équipée, mieux préparée à assurer la tranquillité dans la cité. Mais là, on a ça, et ça va préalable, et qu'on permette, et surtout, ça assure qu'effectivement, le gouvernement va dans la bonne direction. Pour le moment, je reste encore un peu sous ma soif. Donc, Pesabango, peut-être, ça te pèse à bonne chance. Tout à l'heure, mais ils ont quand même un défi très très important. Et je crois que la majorité très écrasante dans laquelle ils sont n'arrange pas beaucoup de choses parce que ça tue le débat, ça tue la discussion, ça tue les voix dissonantes. Et bon, c'est le résultat aussi du processus que nous avons conduit. Nakati a programme, Batali Suisse peut encore diversifier l'économie. Nantela a mon soloka automobilisé. Et ça peut manquer à l'espoir et à la population. Oui, diversification de l'économie est très importante. Mais là aussi, maman, vous allez me supporter. Peut-être que Nakopé, ça va tout moi, Mali, parce que ça ne se décrète pas. N'est-ce pas? Pouvoir public a créé à condition où yo investisseur à la nationale à l'étranger a commis comment la question n'a pas quand on a qui n'a pas on a et qu'on rapporte à quelque chose il a l'obligation à créer ma condition voilà à quoi qu'on décrète et que à partir de l'eau diversification ça mais comme ça en tête mais congolais n'a mon pas à où il a un quartier en quitte à comment la question depuis un temps on a observé ma donnée dans un monde à qui n'a Congo sur une côte si $1 n'a rien coupé ça n'a 3 coupé ça n'a 2 coupé ça n'a 2,5 c'est donc de bons niveaux de rendement où il faut encourager bah gens économiques pas investir n'est-ce pas et ton money biso où il faut observer situation que par exemple dans le domaine de l'agro-industrie il y a un besoin n'est-ce pas et tout mais ça va produire bien sûr mais tout on a pour transformer en gros pour chaîne de valeur en abysso ils ont moins importance n'est-ce pas les lots ceux qui ont proposé au bouki manioc on a eu peut-être un bilanga
gagner peut-être autant de na mutu ya sala ngwa tiamo na sachet au moins parce que processus industriel moko ezana mo sima n'est-ce pas ils ont le manioc et la farine n'est-ce pas et nous voulons voir gouvernement a encouragé les opérateurs économiques dans le domaine. Ce que le gouvernement a comme tient à disposition des ressources, des moyens à simplifier, à conditionner, à clarifier, même pendant un temps, n'est-ce pas? Même en leur disant que bon, vous avez 5 ans, vous profitez de 5 ans, Donc, la diversification va demander des efforts de la part du gouvernement, mais ces efforts doivent être des efforts, comme je l'ai dit, des efforts rationalisés. Et les acteurs, dans l'État, sont d'accord que c'est la bonne direction. Il faut créer conditions. Mon corps peut reconnaître que oui, là, je vais avoir un bon retour sur la question. Il y a beaucoup de solutions et quelques conseils. Je vais vous donner un peu de temps. Réduction des trains de vie des institutions, est-ce que ça va nous aider à mobiliser plus? Bon, ils ont un signal, ils ont très attendu dans les Congolais, parce que, comme vous l'avez dit, situation d'Abissonioso, en général, notre situation n'est pas révisante. Il est donc important que Babibazo, Kambabiso, là, que ça a quand même un moment un peu de solidarité dans le reste du Congo. Ils ont toujours choqué, tant on a au moins un cortège. Il y a 15 véhicules, 6 véhicules, 4 véhicules, tout ça dans un pays comme le nôtre. Et puis il y a des policiers dans ma colle. Ceux qui attaquent les gens dans la colle, ils numéro vert, ils ont habité ceux qui ont été combien de minutes après. Dans la lutte anti-incendie, ils ont habité ceux qui ont été en train de se faire. Pour ceux qui ont été en train de se faire, dans la colle, le week-end, ils ont été en train de presque, on dirait qu'ils ont été en train de se faire. Donc tout ça, on se dit qu'en donnant le signal qu'on réduit le train de vie des institutions, et c'est de l'argent public, ça va être affecté à d'autres urgences. Et les urgences, madame, dans d'autres secteurs, elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Même si Mbongwana est cause à la mingité, ça ne va pas donner des milliards de dollars, mais est cause à la symbole, n'est-ce pas? Où il peut avoir toute confiance que Baibazo Kambabiso, Baibi situation Abiso, et puis Bazo vivre le Kolabiso. Conseil n'a coupé ça bah esika na gouvernement bon ça l'effort motomoka sont menacés sécurité na bine zaité débarrassez-vous de ces exports ben escorte wana ils ont besoin de kilomètres dans le kilomètre dans le mutiote ils ont déjà embouteillage et coupé ça bah force à sécurité bah moyens supplémentaires et coupé ça bah gouvernant oui bah ça na bah quartier bah commune tout ça bah moyens pour ça l'assainissement et autres il faut poser des actes oui coupé ça bah toute confiance n'est-ce pas. Tant que le premier ministre a se simplifié, Augustin Matata Ponyo avait 12 véhicules. 12 Prado, je me souviens, pour son cortège. C'était inutile, mais d'habitude, on a dit qu'il y avait un petit cas là. Il y a un vieux, copié et épais. Mais il y a un cortège, je me souviens. Il y a un simple. N'est-ce pas? C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour dire que les gens qui ont une autre mémoire de ce qu'a été le comportement d'un homme d'État, ils ont besoin de revoir ça. Et puis ceux qui sont congolais à Moni, à Koye, que ça va dans la bonne direction. Les hommes d'État, plus nous avons de politiciens, avoir le pouvoir, le pouvoir. Neko Focas, tenu tous un dossier justice pour tout clore et mission à Mokonalo, Rassilikam Bretali, pilier à Yambo. 6,4 millions d'emplois, Nawetali 5 ans. Plus de 1 million par année, na o etali bongo emploi oyo. Tata mukambi kola la kaki ndeko jidi somi na zongeli yango. Selon yo ekole kananzela nini? Encore bonnes intentions, topé c'est possible. Est-ce que c'est l'État qui a créé bon emploi, toi qui faciliter climat y a faire pour que population investisseurs, baya, population à créer, comment ça va se passer? Et quand il y a une réduction des trains de vie des institutions, de Kokamere qui sort de son silence pour dire que tout est clair, député va recevoir 5 000 $, avantage nous sort na 4. Est-ce que c'est un bon signe pour notre deuxième mandat?
Merci beaucoup. Et na, tout en haut, il y a parole. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question. Professeur, à côté de ça, il y a un nuance nécessairement pour l'intérêt de la République. Mm-hmm. Que nous ne puissions plus revenir à la bêtise de la Bongo. Ça, quand nous le disons, absence de débat sur le programme du gouvernement, et à l'habitude du régime au Kakate, même les temps de Kabila, il s'arrangeait pour que. Et loko oyo et salema te. Ce qui est salema, mais et salema malonga te. Et mon tambo monene pour une démocratie, c'est assez dur ici. Vous voulez échouer, autoriser un bon débat. Chop des idées, jaillira la lumière. Et cette lumière-là va vous permettre à bien gouverner. Si vous voulez masquer votre ignorance dans les programmes de gouvernement, ça va vous rattraper 5 ans après. Parce que, bofoué débat, bobomi démocratie, les sons contraires, au ezali na importance monene, bobomi yango. C'est-à-dire que vous quittez na contexte ya contrôle parlementaire, bokoti na une nouveauté cruciale, antidémocratique, au babengaka, complot parlementaire. Ici, c'est ces formats-là, on a comment on a bengango, complot parlementaire. C'est un complot parlementaire et c'est très dangereux dans une démocratie. Bobomi démocratie. À qui profiter les sons des cloches qui viendraient pour éclairer la lanterne que Awa Bolobi Bienté, Awa Esengeliez à la bouille, Awa Esengeliez à la bouille. Bo examiner, bo trouver que non, son contraire wana, ça vaut la peine de adopter Ango. Qui gagne, qui perd? Ce n'est pas l'opposant qui va perdre. Ni qui va gagner. Ce n'est pas le gouvernement qui va perdre, ni gagner. Mais c'est la République qui gagne. Mais il y a d'autres opposants, Bazoua qui m'a l'obande. Mais il y a un Zoloba. Bazoua qui a un Zoloba. Parce qu'ils n'ont même pas pénétré les documents. Parce qu'avant, on a un Zoloba. Pour un Zoloba. Il faut aux Anaboyebi. Il y a un Makambo Oyo, pour se débattre. Mais Makambo Oyo, il y a un Zoloba. 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 Bo tanga yango bo comprendre déjà makambo na kati po boya ko sala débat. C'est ça les vrais problèmes. Ils ne sont pas idiots, mais ils n'ont pas eu le temps de pénétrer. Parce que même un député n'est pas un savant. Il faut à travailler na ba collaborateur na ye. Ba question à numérique, ba question à santé, ba question à sécurité, ba il n'est pas expert dans tous ces domaines. Il faut dans un cabinet pour abenga ba expert, ba pesa ye ba idée, il y a débat. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas démontrer? Qu'est-ce que tu vas apporter? Mais ça, on n'a pas eu ces rendez-vous-là. Yami Balé, train de vie, madame. Au Congo, d'une manière chiffrée pour les à la claire. Au moins, il y a le budget il y a 18 milliards. Dans la pratique, il y a consommation, il y a budget. Oyo. Sur les 18 milliards, 3 milliards sont réservés pour l'investissement. 15 milliards pour na ba salaire na ba fonctionnement ya ba institution. Oyo ba yebisa kabino ke ici la consommation du budget 70% est kendaka na train de vie ya ba institution et 30% c'est ce que je vous représente comme 3 milliards. Talana nous déséquilibre aboué. Mboka boye et elinge kende wapi. Vous avez 18 milliards, vous dépensez 15 milliards et vous retenez 3 milliards pour l'investissement. Après, na kati a 3 milliards en haut, vous l'avez en haut sous vos bandes, ça va détournement na kati. Exemple. Parce que les intentions sont des intentions. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont ici. Mais ceux qui sont professeurs à lobby, il ne suffit pas seulement de décréter. Mais il faut faire avec. Na 2022. Non, on peut savoir exemple, mon simple, facile à comprendre. Il y a une volonté, une expression et une gouvernance. Kaka na régime oyo, avec le même président de la République, à l'obi, je vais prendre la revanche du sol sur les sous-sols. Donc, nazo lingana diversifier l'économie. Na longo na makambo ba minere, na kota na makambo ya agriculture, élevage et consort, pour na créer la richesse. C'était une expression. D'une bonne volonté. C'était une mesure. Ça a été décrété.
Est-ce que ce pour autant ça a été réalisé? Non, token na chiffre. Na 2022 wana, ils ont décidé, ils ont alloué na budget à agriculture 746 millions de dollars. 2022 pour que na 2023 tous soit résultat sur les montants prévus à 746 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Na reddition des comptes il y a 2023, on réalise que dans le slogan la banque on a une revanche. Au lieu de 746 millions de dollars dans le secteur agriculture, ils n'ont alloué que 42 millions. 42 millions. Vous prévoyez 746 millions de dollars, mais vous affectez qu'à 42 millions seulement. Et des 42 millions, on a 20 millions. Et Kendaki n'a frais à bas fonctionnement et 22 millions seulement. Nde et Kendaki na domaine et à investissement. Bon, est-ce que pratique y a bouillé? Vous appelez ça une intention ou pas? Qu'est-ce qui. Parce qu'on me dira que non, 746 millions et Zalaki prévision. Mais nous étions dans quel contexte? Nous étions dans le contexte où le budget était de 12 milliards de dollars prévus et que. Nzambe a confondre bango pour bazo a raison wanate. Yakolobake, parce qu'il y avait la guerre, on a affecté cet argent prévu dans la guerre. Dieu nous a ajouté. Sur la prévision de 12 milliards, Dieu nous a ajouté 4 milliards 500. Oyoto senga ki bino awake. Bo bengisa parlement basala. Budget rectificatif, potoye balo lenge nini, boko affecté mbongo oyo, bokana kite, mais nzambe atinde libino yango. Parce que moi, les minéraux, j'appelle ça le ramassage. Ce n'est pas la création faite forcément de la richesse, c'est le ramassage. Nenge bato antiquité, babandako vivre na ramassage. C'est ça, et ça le quoi boke boka mayebo. Et c'est ce que nous faisons avec les minéraux. Nous ramassons les retombées à la fiscalité, à la minerai. Nous ne créons pas la richesse avec. La richesse devait être créée, ce qui, dans le ramassage d'Abissouana, en agriculture. Là maintenant, nous sommes en train de créer la richesse avec ce que nous avions ramassé. Parce qu'en créant la richesse, l'avantage c'est que vous créez d'abord le travail. Quand vous créez le travail, vous résolvez les problèmes de la jeunesse. Vous résolvez les problèmes, il y a colia. Vous résolvez les problèmes, il y a économie, parce que le reste, il y a consommation, va à la vente pour les devises, Nalibanda, Ezongi, et Bakissin Kitanamboka. Donc, on n'a aucun secteur mieux pour le Congo, pour la Kosovo Bissau, que l'agriculture. Bah, chercheur Nyonso, lisez. Ils vont démontrer que pour que le Congo puisse s'en sortir, question kaka. Basal et la caca politique et agriculture. Mais il faut dire que na programme est soumis noir. Ils ont beaucoup de secteurs où ils ont mon solo peu moins mingi. 6%, c'est avoir. Écoutez, 6% qu'ils ont prévu pour l'agriculture, ça avoisine 1 milliard de dollars. Mais là, je vous dis que pas longtemps, mais c'est avec le même président de la République. C'est avec presque le même parlement. Je crois que s'ils ont renouvelé ou pas renouvelé, mais c'est presque la même volonté. C'est la même vision. Et cette vision, c'est la vision du chef de l'État. La majorité, c'est la majorité du chef de l'État. Le gouvernement, c'est le gouvernement du chef de l'État. Mais pourquoi ils n'ont pas pu, avec 746 millions qu'ils ont prévus, ils n'ont effecté que 42 millions. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant que parce qu'ils ont prévu 1 milliard, ils vont réaliser? Espérons. Voilà, nous sommes maintenant dans les domaines de la foi. Or que nous devons nous dépasser, nous devons quitter cet esprit de la foi pour être pragmatique, parce qu'il est question de la République. Et ça m'a paradité. C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons rien. Nous pouvons, si seulement si, nous rationalisons notre manière de faire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce qui, par exemple, question, il y a Nengen a démontré il y a répartition à budget, parce que professeur, je crois qu'il est en train de faire un effort pour ne pas exposer les gouvernements. Mais le gouvernement s'est prononcé pour 18 milliards de dollars l'an. Ce n'est pas que nous supputons. Non,
Il a présenté son budget en disant c'est en termes de 18 milliards là. Oui, nous disons la même chose. À ce propos, moi j'insiste sur le fait que l'une des faiblesses ou l'une des interrogations demeure sur la manière d'opérationnaliser. Voilà. Vous nous dites 18 milliards, c'est bien. Maintenant, il faut ou il faudrait, et j'espère que les observateurs et même les députés eux-mêmes vont aller au fond des choses. Moi, je n'ai pas eu le sentiment que ce jour-là, on est allé au fond des choses. Voilà. Voilà. On a les 6 axes qui ont été découlés. Et j'en pouvais même les 6 axes, c'est parce que moi, c'est moi qui détiens encore la parole. Même les 6 axes. Mais si nous considérons que le programme de gouvernement, c'est notre boussole à nous, donc les 6 axes démontrent que notre priorité, ce n'est pas la sécurité. Parce que le pilier numéro 1 pour ce programme, c'est l'emploi. Or, comment vous pouvez vous imaginer, dans un pays en guerre, que l'emploi puisse prendre le premier pilier? Et pourtant, vous le savez, vous l'avez bien dit, qu'aucun opérateur économique créateur de l'emploi ne peut atterrir. Mais comment vous allez faire? Aussi, vous aviez ajouté, permettez, que dans les cas de notre pays, parce que nous n'avons pas une économie libérale d'autochtones, c'est-à-dire que l'État congolais devait à un certain moment prendre les relèves pour être l'État-providence qui cimente l'ensemble de l'économie. Mais oui. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a aucun commerçant qui viendra pour construire des routes. Il n'y en a pas. C'est l'État qui doit investir dans les routes. Qui doit investir dans la sécurité? C'est l'État qui doit investir dans la sécurité. Or, même les Belges qui étaient loin, le roi, il a envoyé des experts, on l'a informé que sans les rails, sans le chemin de fer, les Congos ne vaut rien. Mais pendant que nous sommes ici, comment cette information nous échappe? Pourquoi nous ne faisons pas avec les rails? Pourquoi nous ne faisons pas avec les routes? Or, nous savons, si notre cheval de bataille, c'est l'agriculture, mais où passeraient les produits que nous allons produire? Comment? Or, nous avons notre salut, c'est-à-dire que 80% des terres arables, c'est énorme pour que nous puissions nourrir l'Afrique. Merci beaucoup. C'est énorme pour que nous puissions engloutir les chômages. Tu vois que ça vient en deuxième position, ça ne vient pas au premier plan. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une contradiction de cette expression de la volonté politique. Il y a imbroglio. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Parce que même si les étrangers nous regardaient, en regardant notre programme, cela ne dit pas clairement que notre urgence, c'est la défense. Très bien. Alors, donc, le vrai problème, ce n'est pas que ceux qui critiquent par mauvaise foi, par méchanceté. Non, nous critiquons parce que nous trouvons qu'on est en train de nous retarder. Merci beaucoup. C'est-à-dire que leurs erreurs, ce sont des erreurs qui nous aussi impactent. Alors nous ne devons pas accepter par patriotisme de bloquer la République pour un groupe d'individus qui veulent nous faire du mal. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous critiquons. Tout évoluer, s'il vous plaît. Tout évoluer. C'est vrai que tout le bel décision en déco Constant Mutamba, mais Nangambo, il y a le ministère de l'économie. Heureusement pour nous, nous avons une tête, le professeur Mukoko Samba ou Akoti Namonsala. Tozo liki akero sala moi mingi parce que problème est à ma casse mingi ou état du taux. Il y a échange, et il y a prix dans le marché, et ça pense à moi y a un problème, et il y a un problème, et il y a un problème, et professeur comme décision à Banque Centrale, comme il y a un solon à franc congolais, et il y a un peu. Est-ce que ça va nous aider à dédollariser le système économique? S'il y a des conseils à donner dans le gouvernement, ça m'a gouvernement soumis, plutôt, et continue à mon salaire, et il y a un problème, et il y a un problème. PSAO sur la question de la justice. Bon, maman Naomi Yambo Eza Koloba était décision de la Banque centrale, ils avaient un peu surinterprété. Hein? Oui. Les gens sont allés affirmer des choses que la banque ou son communiqué n'avait pas dit. La banque avait rappelé aux opérateurs que disposition pour prévoir que Bakoukako prélevé Batumi Solo sans que Moto Ayeba, que Moto Solo, oh, bah là, vous n'avez pas une aïe, dollars. Hein, et puis il y avait une opération de cambisme non déclarée dans cette manière de faire. Donc elle a simplement rappelé que
les TPE, donc les terminaux de paiement électronique, qui sont les petites boîtes qu'on nous présente à gauche, à droite, oui, n'avaient aucune raison d'être libellés en monnaie étrangère. Parce que la banque, va libérer en monnaie étrangère, sur mon local là, au sommet des vises. Donc, ming, remonte la facture, na yo, et ça, il y a 42 000 francs, il y a bilo collé, mais aux autres foot à 58 000, etc., qui ça TVA, ainsi de suite, sans qu'on te dise, n'est-ce pas? Et c'est ça que la banque a voulu mettre en avant, rappeler la réglementation. Mais c'est vrai que, Azar, au sein effort, il y a qu'au dédollariser. Azar, en tout cas, la volonté, on a les expressions. Mais assez d'efforts, pourquoi ça ne fonctionne pas? Non, justement, ça ne fonctionne pas parce que parfois, Azar a vœu. Ils ont l'intention. Oh, nous sommes dans un domaine où l'intention ne suffit pas, il faut aller au fond des choses. Maman Naomi Nambo Kanabiso, une grande partie de l'économie Nabiso est allée criminaliser. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une grande partie échappe à toute réglementation. Tu as dit que les gens ne sont pas contribuables, ils sont accordés, ils sont motés. C'est un problème. Parfois, Motomoso a fait l'opération où il y a beaucoup à s'enregistrer qui, le coup là, dans le domaine où on a été, mais ça, pratiquer contre les autres. Se laisser aller là a contribué à criminaliser l'économie. Donc, il y a, par exemple, une grande partie à masse monétaire, Nabiso, il y a des francs. Ils sont détenus par la Banque Centrale, t'es propriétaire dans l'ango. Banque Centrale, à la mesure, telle est leur, et puis combien de francs congolais circulent dans notre pays. C'est une anomalie. La situation dans tous nos différents postes frontaliers, ou dans les villes frontalières, ou dans les écosystèmes économiques frontaliers. Bon, il y a Marouné, Zah Shilling, Zah Kwanza, Zali, Sefa et compagnie. Ce sont des choses anormales, maman Naomi. Quand tu sais que chez certains de nos voisins ici, même café à Pamba, Bozo, mis $5. $5 Montarozo, on va zater. Ah bien, ils ont la cour légalité. Le commerçant qui est là vous dit déjà que Mbongo il y a Makawate. T'as le bureau d'échange de la place telle, Rokenokuno, Moni enseigne pendant la Banque Centrale, ainsi de suite. Moi, je crois que la Banque Centrale a un héritage tout aussi lourd et compliqué que l'institution Moussous Yakumbo. Il faut passer l'effort Wana pour Bakuma se rationaliser dans le Yambo. Tout est intention na bango, et zali nengeni ni par rapport ya oyotobengi ba devises étrangères circulation na yango. Tant qu'elle n'a pas le contrôle, elle n'a pas la main là-dessus, même des dollarisations et autres labels au coin dans le bien, zali intention. Il faut faire un grand effort, il faut que ça soit entendu surtout chez les grands acteurs, et pas ya ba minier, et pas ya ba importateur, ya ba bien de première nécessité, tout ça, il faut être. Pour la Banque Centrale, il faut avoir ça, preuve, il y a une certaine rigueur. Et puis, information, on a, il faut y aller. Mais ce soit un moyen pour l'obésité, puisque tout ça se passe dans des réseaux criminels. Retenez que cette criminalisation rend difficile la dédollarisation. N'est-ce pas? Au-delà de ce qu'on appelle détournement, ainsi de suite et consorts. Ce qu'on fout, c'est d'être dette intérieure. Mais l'activité, c'est ci-là. Ah ça, ça la faillite. L'État, on est bien sûr, l'État a foutu. Oui, mais il y a ça, ça la faillite. Pour l'État, on fout avec 10 ans de retard, il y a ça la faillite. Bon, on a à raison de son économie? Non. À raison de ma devise, à s'exiler, à qui est comme sous, à Kanda, à tout ça. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça que nous devons regarder avec, avec sérieux et avec volonté que, eh ben, on a ici, là. C'est ça le début de la vraie dédollarisation. Les gens ordinaires, vous et moi et tout ça, on détenir un peu de dollars pour nous foutre à loyer et qu'on sorte tout ça. Ce n'est pas ces gens-là qui menacent le franc congolais ou la stabilité du franc congolais. Les gens qui constituent une menace pour le franc congolais, ce sont ces grands opérateurs qui sont généralement des étrangers, mais que nous, côté Nabiso, institutionnels, parce que quand ils ont des besoins, besoin politique, besoin ceci, mon cher, dis que là, moi, quelque chose, on a toujours 50 jeeps, c'est un mot. N'est-ce pas? Donc, ça crée, si vous voulez, un environnement malsain pour n'abattre. Oh, yo, ça a responsabilité à Okamamisolo. Donc, la Banque Centrale peut se retrouver pieds et poings liés parce que comportement, n'abisso moko, bakongole, et ça rend des tâches difficiles.
là où nous devons frapper, Montaobeng a dit, mon cher, tout ça, moi, arrangement, ces petits à côté, là, ils vont rendre une situation difficile. Moi, je donnerai le conseil suivant à la gouverneure de la Banque centrale. Je lui dirais, il faut faire d'abord appliquer toute la réglementation qui est entre vos mains avec la dernière énergie. Il faut que ça soit connu que ceux qui ont qu'un problème, il faut bisotoyer ceux qui ont un problème dans la Banque centrale, n'est-ce pas, et qui sont condamnés par la Banque centrale. Il faut que ça soit connu. On ne doit pas régler ça en catimini comme ça, non, parce qu'il y a un mouton important, ainsi de suite. Makamwana, il y a un échange, il y a une banque commerciale. Alors, ça représente des millions et des millions de dollars. Tant que vous avez l'opération dans le compte dans le monde, ou entre ton compte en francs et ton compte en devise, et que vous avez l'opération comme une opération de cambisme, et vous avez l'opération de rébellion. Est-ce que ça déclarer la Banque centrale? Ça représente combien? N'est-ce pas? Est-ce qu'à la Banque centrale, il n'y a pas des agents aussi véreux qui, de temps en temps, au lieu que sévir dans l'inspection, participer à l'ango? N'est-ce pas? C'est déjà un énorme pas qui sera fait au moins à Kembongo et qu'on stable. Déjà parce que mon toit a détenir en moi et puis que non, voici la réglementation en matière de devises. N'est-ce pas? Bah minier au bazar obligé à cause y a qu'au rapatrier bah ressources normalement est-ce que bah ça la rend ressources ils ne le font pas pourquoi parce que bah on est bah déjà à l'état bon n'est-ce pas donc l'état après a ça un peu affaibli pour la nabango que non vous devez quand même respecter la malgré besoin de faire bon l'état il y a des avances sur l'impôt et tout ça mais vous devez vous conformer à la réglementation déjà ça va nous rapporter beaucoup de ressources et je pense que gouverneur et la banque centrale a ça un intérêt. Gouvernement et copains, ça y est, pour n'avoir ça là, zéro tolérance, n'avoir infraction sur la réglementation de change et toutes les autres opérations qui impliquent, n'est-ce pas, la détention ou le commerce de devises. C'est très important que dans mon cas, mon toit a manipulé des devises, aïe, bah, été, n'a pas à droite, il y a que ça dans n'importe quoi ou détenir ça par devers moi. Imaginez mon toit à agent économique X, Y, mais à la capacité à déranger taux de change dans la journée. Moko. Ça veut dire qu'il y a une possibilité moko, exorbitante. Ou la Banque centrale pour contrôler. On ne devrait pas accepter ce genre de choses. Et puis, l'institution, il faut aider Bichot pour aider. Et donc, nous avons en franc congolais et ça a effectivement en franc congolais. Ça ne vous a pas échappé que quand on a payé, sur aucun guichet, on a soit franté. Quand vous êtes franté, vous êtes pressé, vous êtes bon, vous êtes un dollar, c'est que vous êtes plus cher, c'est que vous êtes perdre. Mais tout ça, vous êtes un peu plus cher, parfois, vous êtes un peu plus cher. Mais vous êtes un peu plus cher, vous êtes un peu plus cher, vous êtes un peu plus cher, vous êtes un frais académique, c'est une question. Justement, il y a quelqu'un qui est chargé de faire respecter ça. Et je suis en train de dire ça, que si on ne respecte pas ça, ça menace la stabilité de la monnaie. N'est-ce pas? Et ça, Babylon, comme on raison, ça peut être miqué, mais il faut tout bas, Nakobo Yango. Et puis l'État a veillé que ni les petits, ni les très grands, ni les très, très, très grands, que personne ne soit au-dessus de la loi quant à la réglementation de change. Merci beaucoup, mon Amboka, tout comme vraiment à ce qu'a émission, de que Focas, tout repé, ça va mal au Bayasu, cause politique, depuis un moment, vous avez écouté les Mélal Kambetali, dossier forage, Pélampadeur, aujourd'hui, Parlement est livré, bon, de que Nicolas Kazadi n'a pas poursuivi judiciaire, est-ce que ça satisfaction, Nangam Bolabino, et Miami Balé, Moutoune, ils allaient surtout sur l'état de justice, de que. Constant Mutango a continué mon sala acte na ya liboso les ali côté mais na bayo bazali na ko tombo la bon va pratique homosexuel na mboka na biso comment est-ce que vous recevez ba dossier mi balewana et votre mot de la fin pour tout conclure. OK, merci beaucoup. Et pendant la livraison il y a Nicolas Kazadi pour que akende ko sala face na justice et ici n'est même pas motif à satisfaction, c'est une vie naturelle. Donc, pour Nanga, en fait, on ne peut ni féliciter, ni regretter. Ils ont fait mon corps normal. On ne peut même pas applaudir pour ça. Il faut considérer qu'il y a un effet là. On applaudit quand il s'agit des exploits. Mais pour Nanga, on a exploité. Ils ont fait mon corps normal.
Yamis Balé Nalingi n'a abordé ma question qui tient à la gouvernance, comme le professeur l'a fait, parce que il y a ma question Moussousou, Namona en gros, et Zamoutouya Koulika Moussousou. Okay. Question y a monnaie, question y a économie. Effectivement, Oyebi, la monnaie, c'est la souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Et dans les concerts des nations, éléments n'y ont sur la souveraineté. Et qu'on est à ce qu'on appelle des menaces. C'est comme les territoires. Vous voyez, c'est un élément de la souveraineté. Est-ce qu'ils ont menacé? Ils ont menacé. Mais celui qui menace les territoires, il sait qu'il y a encore un autre élément. Il y a souveraineté pour un État. Si vous voulez les affaiblir, il faut attaquer ça encore. C'est la monnaie aussi. C'est la culture aussi. D'où, ne croyez pas que toute cette intelligence autour et menace à territoire, vous laisserez tranquille pour attaquer mon été. C'est pourquoi tu as vu cet empire Imatuti. Parce qu'ils ont compris qu'il faut les fragiliser. Menace territoriale, il faut aussi menace sur la monnaie, sur leur économie, sur leurs finances. Il y a un fonds qui a banque, ici, ils ont tout pris. Et sont eux maintenant qui contrôlent. Il faut bondir ça, c'est qu'au banque centrale. Ce ne sont pas des Congolais seulement qui peuvent menacer. Ce sont en général ce que j'appelle les étrangers, les capitalistes. Ils doivent menacer la monnaie pour fragiliser Mboka, pour que Bango va rentabiliser plus. Yami Balé, qu'est-ce qui peut encore menacer la monnaie? C'est les secteurs informels. Maman Naomi, nous avons... Retirons le 20 millions. Tochata 100 millions d'habitants en Congo. Yebango que ceux qui sont dans les formels ne représentent qu'autour de 20%. Et 80%, ils sont dans l'informel. Bon, Yebisanga, si vous avez une économie dans l'informel, il y a 80%. C'est quoi vous avez une économie formelle ou une banque centrale? Il faut contrôler les 20%. Nakatia menace wana, qui peut gagner? 80%. Mais c'est simple. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est pourquoi seulement il faut, si vous permettez, il faut nuancer l'affaire. Ouais. Il faut nuancer cette question de l'économie informelle. Je vais dans votre sens en réalité. Dire ceci. Mais et comment est-il moi particularité moro congolaise, c'est-à-dire que tout le monde attend yo informel, donc l'État comme ça les côtés. Le ce n'est pas ça. Non. C'est-à-dire que monte quoi ça na métier na ya mouké asa cordonnier asa quado asa transporteur ou quoi que ce soit. Il faut détailler. Pourquoi? L'avantage pourquoi l'État doit. Chez nous il y a deux ordres, il faut le dire comme ça. Voilà. Oh. Faiblesse ou on a l'état ou on a. Donc il s'expose à la menace. Parce que plus que Batouana Bazo Kola, Baoko Mebele, plus que ce qui est structuré est menacé. Comment? Tous les exemples, mon co. Omoni Moutouloko la neti, Batou Bobinga Raba commissionnaire. Bape si yenda kumoko immeuble moko azote kango na 2 millions de dollars. Ce commissionnaire là, il a un pourcentage après vente, il y a 5%. So a tekinda kuna 2 millions. Oui, puis pourcentage n'est à combien? Ceux qui ont été qu'on a 2 millions de dollars, pourcentage n'est à 100 millions de dollars. 100 000. 100 000 dollars. Ça, c'est son pourcentage, c'est privé là. Tant qu'on a eu un mois, on a libéré Ganaï. Ceux qui ont été libéré Ganaï, l'État a gagné quoi? Or, c'est une transaction, c'est une opération économique et monétaire. L'État devait être là. C'est-à-dire, si cet homme, M. Tobengi, commissionnaire, il était structuré dans l'économie, Mbongowana, Elinga ke kota na banque, Elinga kota na poche, n'était pas tangé de 100 000 à tien na poche, à tien na onanda kunaye, tout comme à quoi terroriser en gros, donc à tien on a ça en bétou. La banque ne suit pas cet argent. Na circuit économique, Mbongowana, et que vendana, ça n'a rien à voir avec la banque. La banque n'a pas de contrôle sur cet argent-là. Mais ce cas-là qui est structuré, c'est-à-dire que la norme aller pousser cette opération na niveau ya banque. Donc banque alandara mbongo boy, banque alingara te mbongo échappé. D'où nécessité
capital informel, ce n'est pas diabolique. Mais l'intérêt pour l'État, c'est de ramener ces efforts-là dans l'économie structurée. Pourquoi? Parce que chaque opération, chaque transaction économique, l'État doit se retrouver parce que c'est lui le régulateur. Et il a aussi des profits à faire pour que accroître économiquement. Mais ce qui, par exemple, est commissionnaire Oyo, Azala qui est une agence. Yebake, na kacha transaction, na ya 100 000 dollars au Yazui. Tu peux voir que la loi dirait que na transaction, na, l'État peut se retrouver à 30%. Donc l'État na kacha 100 000 na ye, oh, 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 l'État peut ponctionner 30% et continuer à trésor public. 70%, ils s'organisent avec. Et partout au monde, l'économie n'y a pas au monde, ça fonctionne comme ça. L'État doit avoir la possibilité de ponctionner dans chaque opération. Mais ceux qui battent à Basali, il a payé 100 000 à tienne dans la poche. L'État a gagné combien? Rien. Mais ce que l'État devait faire, c'est venir auprès de cet homme-là. Oyebisi que bon, je ne suis pas contre ton travail. Tu as fait l'initiative, mais moi, je vais te mettre dans les conditions de régularité. Mokanda, il faut saler là. Yango, bon, opération na yo, comptabilité fait zaraka, parce qu'à la fin du mois, ou bien trimestriel, ou bien annuel, nous allons vérifier les comptes situés en norme et puis c'est fini. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Menace Ezali, une affaire, il y a phénomène, il y a capitalistes qui sont des étrangers qui viennent pour rentabiliser. Si vous ne les restructurez pas, ceux qui vous organisez Bangote, leur souci c'est de faire leurs affaires. Ils ne sont pas venus pour vous rendre service, ils sont venus pour se servir. C'est ça l'économie capitaliste. Il y a un mot qui est les hommes de sans-cœur. Pour eux, c'est le profit et rien d'autre. Si ceux qui osent informel, c'est votre propre population. Ce n'est pas compliqué de les encadrer. Ceux qui sont en Namibie, même ma maman, ils ont un compte en banque. Ils ont droit au crédit. Et puis, ceux qui ont une économie structurée, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts entre et la banque. Et les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens, ils se sentent en sécurité parce que banque a zali. À un moment, tant on a la difficulté, banque va venir en aide. De préférence, il y a une place banque a zali. Tout a intérêt, et ça y a malam. Au lieu de ne pas être cambiste, au lieu de ne pas être en train de se faire. Donc, mot de la fin, c'est pour dire que la République a déjà été réfléchie. Nous n'avons pas raison. Il y a un petit cas de la sous-développement. Parce que Bamboka Oye ou Melaka Makasi na sous-développement, à leur temps, à leur époque, opportunité Oye Biso Toza Nango, Bango Bazalaka Nango Te. Les informations que nous détenons déjà, Bango Bazalaka Nango Te, ce sont eux qui se sont adonnés, il y a qu'on créé, ba théorie wana, et puis ba zo expérimenté, ba échoué, ba bongisi, ba échoué, ba. Ils ont pris du temps et ils ont connu du retard parce que. À leur époque, ils n'avaient pas suffisamment d'instruments. Ils n'avaient pas suffisamment d'informations. Mais bisous ceux qui t'osent où mais là, et ça par notre propre faute. Nous ne voulons pas utiliser les instruments que les autres utilisent. Merci beaucoup, Madame Bokamaton Dominique de Kofokas, professeur Nkamato, Komina Souka émission, Nini Balambokaba Kanga en termes d'économie, parce que Longola ka sécurité, Ezali Moko yaba priorité, problème ya makasi, comme état d'économie, bilei, pe bongo na bongo, Ezali problème makasi ya population congolaise. Nini to kanga moko na lelo. Et dossier mon sous, Ezali dossier moko politique, scientifique, dossier. Kuna ne kuna na inikina ba ndeko ba ki ko pesa le président de l'Assemblée nationale et bonga na e na bureau na e ya mosala ba za suspendu. Est-ce qu'il y a problème politique scientifique? Qu'est-ce qui se passe? Soit tatan lobata momo koto mibale, mais ya motu ya bana mboka le lobaka ngani, parce que deuxième mandat yango Moussale et Bandi, il y a gouvernement soumis, non? Est-ce qu'il faut espérer? Na, pense que, merci, mon ami, la pense que réponse na point wana, tout ça, les mois, le coup, la bateau, bateau, tala, tout ça, scientifique, et puis, de Konangaza, également, scientifique et analyste, tout petit position na biso, le coup, la citoyen, donc, Monique, c'est bien, mais on pouvait mieux faire. Ce n'est pas perdu, il faut que le gouvernement Oyo Azala encore plus disposé, il y a coupé sa vision détail. Tout ça, dans le détail, on a été.
pour les 6 piliers, nous avons besoin de ces détails. Comment va se faire le suivi? Comment va se faire l'évaluation? Il faut faire un effort pour réduire la corruption. Il faut faire un effort pour réduire le train de vie des institutions. Il faut faire un effort pour s'occuper des catégories socio-économiques les plus vulnérables. Le Congolais ordinaire a senti quand même que la situation allait prise en charge chaque jour dans le gouvernement de la Bissau. Et puis tout ça, on a besoin que mon a été le problème, la mission de la sécurité, et ça a en tête du colo, il y a ma préoccupation au gouvernement. Pour y avoir des influences, des incidences, dans l'Union Sénégalaise. Je serai donc quelqu'un qui va dire attention, nous vous surveillons, tout le temps, l'année vous occupez. Et puis, tout le monde va dans 2-3 mois, tout le monde va dire, est-ce que le Parlement est sérieux? C'est comme ça que doit se faire le contrôle parlementaire. Il y a un président, le professeur Kamere a promettre Bissou Yango, mais je ne suis pas pessimiste. Mais je suis seulement positivement prudent, n'est-ce pas? Un optimiste prudent, je dis ok, c'est bien, mais total, hein, dans 2-3 mois, tu as qu'on évalue Bango. Très bien, merci beaucoup. Puisque le professeur peut, selon la population, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre quand moi je donne un avis et que moi je suis suivi. C'est différent, n'est-ce pas? Et puis quand un professeur prend des responsabilités politiques, vous savez bien que la version politique de l'homme va prendre le dessus sur la version. Aussi, un manga comme acteur politique, au moins, il est l'autre discours de mon côté. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, on a défendu la position dans la que je peux me tenir devant mes étudiants et dire voilà ce que moi j'ai affirmé. N'est-ce pas? Il faut être très, très prudent quand un gouvernement vous dit des choses parce que la réalité à laquelle il va être confronté va être différente. Vous avez le Covid. C'est Covid, il y a un programme au gouvernement. On a rentré il y a 2019, non, mais ça nous est tombé dessus, n'est-ce pas? Pas seulement ici, puis dans le monde entier, avec tout ce que ça a entraîné comme difficultés, inflation, etc. Aux au moins, donc soyons toujours prudents, mais tous souhaiter Bango le meilleur, et puis on va voir. Très bien, merci beaucoup, Ndeko, professeur Kamal, a rappelé qu'Ozali, il y a faculté économique ou dans l'université à Kinshasa. Tant on est sur les carabas étudiants, on a vu son beau ténabino, tout ce qui a été bien un peu beaucoup, ya bon, ça, la mala mon pôle en Mboka Congo, Ndeko Focas, Azali, scientifique, politologue, puis acteur politique, et Mboka Nabiso, et Zalaki pour la Congo, tout le temps prochainement, Mikolo, on y a stocké, Nango, Malembe, pour la Congo, Malio, la monde. Zindo penza ma imatali programme ya gouvernement pour yango ko simba biso 5 ans mobimba et tozoli ki ke ko salema et bonne chance na ba koti na mosala objectif eza ko critiquer karaté objectif eza pe ko mema makanis na biso j'allais dire objectivement voilà pour que nyonso ekene malam to koute ni prochainement na bande ko mosusu ce roman na ba politique otobela mais ma tali mboka Congo bo tikala malamu pe bon début de semaine chez vous au revoir.